La Nitro Team, c'est une des références dans les boards polyvalentes chez Nitro depuis plusieurs saisons. Elle va être déclinée toujours en deux versions. Il y a la version classique avec ce design-là en deux cambres, cambre classique et cambre gull wing. Donc le cambre vraiment positif et le cambre W, c'est-à-dire inversé entre les pieds, positif sous la fixation. Il y aura aussi une version exposure. C'est une version avec des photos d'artistes qui sera aussi déclinée dans les deux versions de cambre. C'est une twin directionnelle, c'est-à-dire que le shape, la forme de la planche est symétrique. Par contre, on est un tout petit peu décalé sur les inserts, sur les fixations, pour donner la planche plus polyvalente, aider un petit peu à sortir en poudre. C'est une board qui est ridée énormément, d'où son nom, par le Team Nitro. Actuellement, on peut retrouver des gars comme Seb Toutan ou Victor Delorue, le petit français, qui ride cette board-là, lui en backcountry, Seb Toutan vraiment en slopestyle, en freestyle. C'est une board qui a vraiment des très bonnes caractéristiques et d'accroche, et de pop. C'est une board qui est assez tonique, donc en cambre classique elle aura vraiment du soutien, elle va s'adresser à plutôt des riders intermédiaires à confirmer qui veulent une board qui a de la tonicité, du dynamisme, qui répond bien et qui passe partout en gardant un côté freestyle, et la version gull wing pour des riders un peu plus intermédiaires ou qui vont chercher une planche plus souple, plus joueuse, qui va tolérer un peu plus les erreurs tout en étant aussi polyvalente. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur ces plateaux, n'hésitez pas à nous contacter.